Depuis un certain moment, on annonce Ousmane Dembélé au PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Ousmane Dembélé, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, Ousmane Dembélé au PSG, est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Tous les grands clubs souhaitent les services d'Ousmane Dembélé. Le problème, c'est que Barcelone, les gars, est-ce que Barcelone va lâcher Dembélé? Ça sera très compliqué, mais le PSG a de l'argent. Si le PSG met le prix, il peut vraiment prendre Dembélé. Après, est-ce que Dembélé aura envie de venir jouer pour le PSG? Là, c'est notre équation à résoudre. Autre chose, Dembélé, les gars, c'est un joueur qui peut jouer sur les deux côtés, côté droit comme côté gauche, les percutants. Il donne des passes décisives. Il est vraiment top. Le seul petit bémol que je vais mettre à son actif, c'est que il se blesse régulièrement. Il est régulièrement blessé. Et c'est un mec qui joue un match sur deux. Un match sur deux. Il est comme Neymar. Si tu as Neymar et Dembélé qui se blessent régulièrement, est-ce que vraiment tu peux aller loin en Ligue des Champions? Parce que Dembélé, c'est pour anticiper Kylian Mbappé. Le PSG veut faire un Dembélé pour anticiper Kylian Mbappé. Sur le papier, c'est une bonne idée, mais Dembélé, globalement, il se blesse beaucoup. Mais sur le talent intrinsèque du jeu, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Quand il est en forme, quand il ne se blesse pas, il est vraiment parmi les 5-6 meilleurs joueurs à son poste. Il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable. Donc, moi, je valide sa piste au PSG globalement. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu valides la piste Ousmane Dembélé? Au PSG, dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ce n'est pas, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.